Anel, bonjour. Bonjour Gary, bonjour Bob, bonjour avec tout auditeur, auditrice Radio Caribe, Haïti Insécurité. J'ai dit, moun, je les ai joints, qui mourent avec coup de couteau hier mardi 19 mai 2017. Là. Donc, nous sommes capables de dire, c'est un jeune garçon, première action, on est passé dans la zone de liberté. C'est un jeune garçon qui a environ 21 années sur cette liste. Donc, il a accusé qu'il a fouillé moun le matin, et donc, qu'il a pas le passé avec l'occupation. Jeune garçon ça yo, yo allé avec marteau, il y avait ton un paquet de matériel de travail dans mais aussi pourquoi la police t'a perfouillé, dit t'a pas avec vous de ces monde qui pourrait passer avec occupation mais il y a des armes pour capable fouiller monde et donc et nous connaissons liberté son zone, une zone stratégique et c'est une zone qui bien utiliser l'armée qui forme là dans l'armée rebelle, l'armée haute tension et donc nous retrouvons pour dans la zone ça. Et d'après information au moment où jeune garçon ça a tiré une marchande et puis il dit bah est-ce que qui sous lui et puis lui pour l'instant la fille qui est là Marie d'amener là et bien une qui braque les armes il fait un coup de couteau sur monsieur et puis pendant monsieur fait un coup de couteau avec le courrier mais le coup d'elle et il n'est pas devant nous mais pendant journée on était sur le trafan et tiré côté trafan aller sinon on a mis les calbas sur cette liberté. Il était rapproché du sang jusqu'à ce que le bébé garçon ça. Il n'a pas le mourir par la suite sur Cabane à l'hôpital. On avait vu de côté tant de dames, ça, les mêmes qui étaient victimes de braquage là hier matin. Mais Marie était, eh bien, il y a un coup de couteau. On a fouillé qui est là. Madame fait quoi, elle est là. Ou elle fait quoi. Elle n'a pas avancé, madame n'a avancé pour l'avancer pour le temps. Pour l'envisser et tout, avec l'autre dame, elle a râle en manchette. Il y a des manchettes, il y a des manchettes. Il y a des manchettes, il y a des armes. Et yon gon goyin dans deux autres. Aïe, il dit le même que la police ta wè yo. Et tout yon, c'est moun qui pral travail. Ça yon fait là. Yon mette on valise. Yon chaka valise dans deux. Beg yo, yon foue goyin dans un bec là. Ou yon manchette nan mè yo. Mou te boule figure? Oui, yon ka boule figure. Baka wè moun. Non. Mè aïe pas dans nous. Bon, kaye. Voilà, c'était déclaration Marie qui sa louen qui te fait courant. C'était. Et hier matin, hein, et donc, mon nom qui était prêt, j'ai commencé à brûler, et j'étais battu, et par la suite, j'étais prêt, j'ai coûté sur Cabane, l'hôpital Notre-Dame. Donc, juge Léon Jean-Jude, le même qui était fait constat, il fait quoi? Donc, situation, il n'est pas compliquée, il était constaté, et jeune garçon, ça lui-même, il mourit, il répond au nom de Luc Nedé, alias Débourré. Et c'est une monde dans zone ça et l'Ouest qui est toujours impliqué dans Zach malhonnête maître Jean-Jude Léon. Vraiment à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve pour constater ça il y a des gens qui mourent effectivement nous étions là-bas nous avons retrouvé cadavre d'un jeune homme qui est environ dans les trentaines et Monsieur Zazon, mon Dieu, t'es bon. Il y a un pantalon, bibliou, souliers en maillot noir, et qui t'a peint ensemble. Voilà, c'était Maître Jean-Jude Léon, juge de paix suppléant tribunal de Petit-Goâve. Mais cependant, même si il y a tout le monde dans la zone Marose et Petit-Goâve, il y a eu un personnage même lâché avec plusieurs coups de manchette. Donc, d'après information, juge de paix suppléant, maître Delicio Venezuela a rapporté que trois mouns qui déjà interpellé dans le cadre de ces gens, puisqu'il y a une menace qui est qu'on a faite. Donc, nous avons dit, situation ça qui paraît être très compliquée dans le premier plan, et maître Delicio Venezuela, lui-même, il a diligenté l'enquête pour être capable d'interpeller plus de mouns dans le dossier là. Un citoyen qui est le Willmanville, qui ne va pas compter combien de manchettes qu'il prend parce que il est peut-être écrasé, et puis et au point que nous avons dit même moi, il est peut-être pas là, et puis nous jouons une baleine, nous jouons une allumette, comme si c'était un monde non seulement utile, mais aussi après des bagages mystiques avec elle. Donc, on connaît, juge de paix, et Lila, pour chercher crime, délit, contravention. Donc, dans le cadre, et là, nous finissons, si vous savez, bah, qui est nos mondes qui citent dans l'affaire, donc, nous, si, tu chanter, nous, pour nous déjeuner patrouille policière. C'était Maître Delicio Venezuela, juge de paix, tribunal de paix Vialet, qui, lui-même, fait information, ça a passé, côté, il y a trois mondes là-dessus, ça.
Donc, via avec Jacques criminel qui a continué à répéter dans la section criminelle, quand j'ai que montré nécessité qui vient pour le gouvernement, il va être capable de donner résultat dans le journal officiel de l'unité pour rentrer en fonction. Et donc, puisque il y a aussi une autorité de proximité qui peut aider la population, les retrouver dans une situation difficile, parce que là-bas, Jean Gilbert, troisième section toujours, et nous allons tout seulement la valace dans la douzième section, il y a quoi? Le gouvernement négligence qui peut faire la population dans la section communale a payé pour Cassia. Joseph Anel, Tigouave, Caraïbe FM. Merci un peu, Lanel Joseph, sorti Tigouave, nous praler. Jacques Mel avec Eli Lorveillus. Le temps pour nous faire contact avec Eli. Gagné un petit garçon qui est capable de gagner l'argent 5 ou 6 ans. Gagné Soulé qui gagne un boulot, donc, dans pour être lit. N'importe parent qui était gagné un petit monde comme ça, qui perdu, passé réclamé dans le commissariat, marché Salomon, hein. Donc, c'est là, petit monde, ça y est, un petit garçon qui est même capable de gagner 5 ou 6 ans, qui était perdu, policier. Ensemble avec policiers, donc capable de passer réclamer dans le commissariat à marché Salomon, ligué sous lit, un bout de pantalon, un chemise, et puis un sandal vert. Donc, petit garçon, ça qui lui-même tête lui semblait pas fin. Trois quoi de job. Il est là. Francal, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Effectivement, et information pour matin, après nous directement dans la commune Beaumont. Et localité Seras, pour le faire connaître, selon l'information qui est confirmée par ASEC Jean-Daniel, et Fénix Pierre, qui n'a la cinquantaine, papa Sipitit, et porté disparu, dans le moment, rivière qui déversait sous commune Rosoa et en cru. Et il faut que nous fassions connaître, et il y a une bonne partie dans la communauté dans la Slésia, rivière à eux-mêmes, dans le moment qui n'a pas là. Il n'y a aucun service d'information, donc côté mairie, protection civile, Croix-Rouge, pour annoncer à la population qui mérite des précautions que vous devez adopter dès qu'il y a un intempérie et dans ce mauvais temps. Tout simplement, et vous nous témoignez, vous tendez l'information sur condition un temps, et à partir de 5h du matin, et grâce à un journal de l'occasion avec Madame Pisnet Saint-Georges. Et là, c'est nous toujours parler des questions qui viennent avec un temps toujours, ou du moins, et catastrophe. Une fois ça, nous la commune Moron pour nous parler d'un incident qui est arrivé. Et 7 mois après, dans le moment où on a parlé là, c'est Madame Clergé Marie Louise qui lance un cri dans les oreilles d'autorité tant qu'au président de la République. M. Jovenel Moïse, PMA, Jacques de la Fontaine, responsable national Croix-Rouge, haïtienne, parlementaire, par exemple, sénateur Sauvel Jacin, député Moron Chambellan, Jean-Benoît Guerrier, et pour dire un mot pour Mme K, et qui c'est Mme Clergé lui-même, qui fait qu'on est lié à 4 petites tubales. Mais lui, il a un mari, comme ça, il a un petit garçon qui a fait à peine une chef philosophique, mais monsieur lui-même a desservi et communauté moronaise comme secouriste et pendant la période de Nadia. Voilà que la moment de faire un sauver un vieux grand monde et que quand il tombe sur le monde là pour là. Comme ça, 7 mois après, madame n'a pas expliqué dans quelles conditions la vie et demandé aux autorités de faire pour fond bagaille pour lui. C'est un volontaire qui est mort. C'est le secouriste qui est mort quand il y a même. Il est venu pour me relever comme il est venu pour me relever. Il est venu plusieurs fois. Il est venu les dîmes occupés. Après, il est venu pour me relever. Il est venu pour le docteur Pierre. Il est venu pour me relever. Il est venu pour me relever. Il est venu visiter pour voir qui est venu pour vivre. Prochain, ma vie, le mauvais état. Tu vois, quand je m'ai dormi, côté cochon, pas dormi. Ni Sorel, ni député sénateur Sorel, député Guerrier Benoît, tout connaît ce qui est amour dans ce qui est constant. Je ne parle pas de mon qui vient d'aborder ce côté du tout. Ma vie est dans cette séquence, ma carte du monde, ma vie Marie. C'est l'autre qui est ma vie pour le cochon baptiste. Moi, je suis président Jovenel Moïse, et sénateur Sorel Jacques, député Guerrier, député Madame Gladys. Madame Gladys, on aime bien. Très bien. Je connais bien son mot dernier dans l'état critique. Soit les parler la pirate couloir, deux fois pendant le temps en bas, sans prendre le temps de couiller nos bois, dans les rochers, je connais qui je m'appelle bien. Son monde, c'est sans effet.
vivre là. Et bien que le journal quoi où je dois, là, je viens du matin là-dedans, nous t'ai contacté. Et ce problème-là, dis-nous, qui n'est pas disponible. Mais ça va vivre autant qu'il n'y a pas un problème-là. Parce que c'est présent, la finale là. Et je n'ai jamais dit, et personne, pas jamais dit madame ça, hein, et constate le fait, et que quoi rouge, c'est tout manger et nous, et au courant des problèmes. Et bon matin, hein, et nous prenons les jours. Et pour demain, nous campons là, merci. Et là, nous mondial, et à partir de là, qui nous souhaite, et nous gardons, et bonne écoute et bonne journée. Mais sans pile, Frankel, imaginaire, hein? Nous pas qu'à jouer une Asie gentille, ben nous allons Tigouave avec Anel Joseph. Anel, bonjour. Bonjour, Gary, bonjour, Bob. Bonjour avec tous les auditeurs, auditeurs, Radio Caribe, Haïti, Insécurité. J'ai dit, moun, je les ai joints, qui mourent avec coup de couteau hier, mardi, 19 mai 2017. Là. Donc, nous avons dit, c'est un jeune garçon, première action, on est passé dans la zone pour liberté. Et c'est un jeune garçon qui vient environ 21 années sous tête. Donc, il a accusé qu'il a pris le monde le matin et donc qu'il a pas le passé avec l'occupation. Jeune garçon, ça y est, il a allé avec marteau, il a vu tout, il a un paquet de matériel de travail. Mais aussi, pourquoi la police a perfouillé, il a pas avec vous, il a dit qu'il a le passé avec l'occupation, mais il a des armes pour capable de fouiller le monde. Et donc, et nous connaissons Liberté, son zone, une zone stratégique, et c'est une zone qui vient plusieurs amis qui forment là-dedans, donc l'armée rebelle, l'armée haute tension, et donc nous nous trouvons prudents dans la zone temps, et d'après l'information, au moment où jeune garçon s'est arrêté, une marchande, et puis nous dit bah, qui est sous lui, et puis nous prenons la fouille qui va être là, Marie d'Amnaté là, et bien une qui braque les armes, il y a un coup de couteau sur monsieur. Et puis, pendant, monsieur recevait coup de couteau, et puis le courrier, nous, le coup d'elle, et, il n'y a pas de nous, mais, pendant le jour, nous, on était sur le traçant, et tu vois, côté, le traçant aller, sinon, on zone, le calbasse, sous cette folie bête, et tu rapproches le sang, jusqu'à ce que tu déjà dans son sang, et t'as pas le monde, par la suite, sur cabane, l'hôpital, on avait vu ton côté, tant de dames, ça, les mêmes qui étaient victimes de braquage, là, hier matin, mais Marie, tu sais, bah, il y a un, monsieur, ça, un coup de couteau. Pendant la fouille qui va être là, madame fait quoi, là, 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 ouais, fait quoi? T'as pas avancé, madame, l'avance, c'est cool, l'avance, c'est cool. T'as pris un monsieur et tout, avec l'autre dame, là. T'as rallon manchette. Il dépose des armes, il y a des manchettes. Il y a des manchettes, il y a des armes. Et il y a un goin dans deux autos. Ah, il dit le même que la police, t'as, ouais, yo. Et tout, yo, c'est le monde qui prend le travail. Ah, Ophelia. Et mettons, on va aller, chacun va aller dans deux. Beg, yo, yo, fouet goin dans un bec, là. Ils sont manchettes là, mais. Vous avez vous figures? Oui, quand vous les figures, bah, quand même, non. Mais allez pas dans nous. Bon, quand même. Voilà, c'était une déclaration Marie-Christaline qui était courant. C'était hier matin, hein. Et donc, mon qui était prêt, j'étais commencé à brûler, et j'étais battu, et par la suite, j'étais prêt, j'ai coûté ce cabane, l'hôpital Notre-Dame. Donc, juge Léon Jean-Jude, le même qui était fait constat. Elle fait quoi? Donc, situation, elle n'est pas compliquée. Elle était constatée, jeune garçon, ça lui-même, lui mourit, lui répond sous au nom de Luc Nedé, alias Débourré, et c'est une monde dans la zone, ça, l'ongé droite, qui est toujours impliqué dans Zach Malhonnête, maître Jean-Jude Léon. Je suis vraiment à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave, pour déconstater, ça, il y a des gens qui mourent, effectivement, nous étions là-bas. On a retrouvé le cadavre d'un jeune homme qui était environ dans les trentaines. Et je me suis dit à son monde de teint brun. Il a gagné un pantalon bibliou, soulier en maillot noir, et qui a peint un enfant. Voilà, c'était Maître Jean-Jude Léon, juge de paix suppléant tribunal de Petit-Gouave. Mais pendant même dîner, tout le monde dans les zones. Maroz, tu bois, et on devait jouer un personnage lui-même, lâché avec plusieurs coups de manchette. Donc, d'après information, juge de paix suppléant, maître d'édition Venéville rapporté, il y a trois mounes qui déjà interpellé dans le cadre de ces ça, puisqu'il y a une menace qui est qu'on a faite. Donc, nous avons dit, situation ça qui paraît être très compliquée dans le premier plan, et maître d'édition Venéville, lui-même, il a diligenté l'enquête pour comment capable d'interpeller plus de monde dans ce là ou quoi, sans vie. Un citoyen qui est le Willman Ville, qui
et ne pas compter combien coûte manchette qu'elle prend parce que peut-être l'écrasé et puis et au point que nous t'as dit même moi le tête et pas là et puis gagner nous jouer une baleine nous jouer une alimette comme si c'était un monde non seulement utilisé mais aussi après des bagages mystiques à elle. Donc on connaît et juge de père et Lila pour chercher crime délit contre l'invention. Donc dans cadre et là nous finir si vous servez balgui non monde qui c'était dans l'affaire donc nous et diligenté nous pour nous déjeuner patrouille policière. C'était maître Denis Chauvenet-Ville, juge du pléant, tribunal de paix Vialet, qui lui-même fait information qui a passé, côté interpellé trois mondes dans le sous-temps. Donc, via avec Jacques criminel qui a continué à répéter dans la section criminelle, car il a montré nécessité qui vient pour le gouvernement, lui-même est capable de publier les résultats dans le journal officiel de l'unité pour rentrer en fonction. Et donc, puisque il y a aussi une autorité de proximité qui peut aider la population, les retrouver dans une situation difficile, parce que là-bas, dit Jean-Gilbert, troisième section toujours, et nous allons seulement la valace dans la deuxième section. Il y a quoi, le gouvernement négligence qui peut faire la population dans la section communale à payer pour Cassia. Joseph Anel, Tigouave, Caraïbe FM. Merci un peu, Anel, Joseph, sorti Tigouave, nous praler. Jacques Mel avec Elie Lorveillus. Le temps pour nous faire contact avec Elie. Gagné un petit garçon qui est capable de gagner l'argent 5 ou 6 ans. Gagné soulé et qui gagne un brûlé, donc, dans Pont-Etli. N'importe parent qui était gagné un petit monde comme ça, qui perdu, passé réclamé dans le commissariat, marché Salomon, hein. Donc, c'est là, petit monde, ça y est, un petit garçon qui est même capable de gagner 5 ou 6 ans, qui était perdu, policier. Ensemble avec policiers, donc capable de passer réclamer le commissariat à marché Salomon, ligué sous lit, un bout de pantalon, un chemise et puis un sandal vert. Donc, petit garçon, ça qui lui-même tête lui semblait pas fine. Trois quoi d'homme. Elie Lorveillus, bonjour. Allô? Allô, Elie? Allô, Elie Lorveillus, bonjour. Bon, nous avons perdu contact avec Elie Lorveillus. Nous avons essayé de rejoindre sur un autre numéro. Donc, pour nous capables de faire virer en ça, que nous avons fait matin là avec correspondant nous. Nous avons déjà sorti une grande paysan. Nous avons sorti Tigouave, Koulia, nous avons Jacques Mel, puisque nous pas arrivé faire contact avec Anel Joseph, pas Anel Joseph, mais plutôt Jean-Nazer Gentil Okaï, que nous pas arrivé joindre, mais nous avons fait contact avec Elie Lorveillus, correspondant permanent nous. Non, Jacques Mel, Elie Lorveillus, que nous avons essayé de relayer rapidement, pas oublier, et nous avons suivi le journal créole. Première occasion, nous n'envirerons avec correspondant nous, côté nous avons connu comment Villio réveillé, qui ça a gagné comme information. Elie Lorveillus, bonjour. Allô? Oui, bonjour, guerrier. Bonjour, auditeurs et auditrices Radio des Caraïbes. Effectivement, Jacques Mel, matin levé depuis environ 5 heures. Il y en a plus qu'à tomber, malgré, dans le premier temps, il était à tomber dans le niveau qui était plus haut, mais pour l'instant, il est plus ou moins diminué. Et nous constatons qu'il y a une diligence qui a fait de bon côté et population pour reprendre l'activité au matin. Il y a un petit monde qui a fait tentative pour t'approcher l'école. Rien qu'on est, hier, et majorité l'école qui dans cette ville là pas de fonctionner à cause manifestation et élèves lycée dans Péchina Jacques Mel, c'était deuxième journée manifestation pour semaine ça côté yo avec exigé pour gain professeur qui vienne travailler puisque yo fait qu'on est année à la privée dans bout alors que divers professeurs pas dans ces cours raison c'est le fait yo pas touché et depuis et gagnant yo diviser l'année ça la cause yo pas vinn travail mais c'est une manifestation qu'a dit qui était faite et non capable dit non certaines écoles yo affiché un comportement qui était paraît très violent puisque yo libéré quelques écoles avec un pile coup proche et situation qui la cause gagnant pile fenêtre et quelques l'école gagnant vite machine qui crasé et non Jacques Melier par rapport à manifestation élèves dans le lycée Péchinayo, il y a fait et il soutient l'autre l'école à partir du moment où il y a libéré qui, dans la rue Jacques Mel, a manifesté. Mais il y a une information qui, justement, dans la première journée, il y a élèves lycéens
qui trompait vigilance la police. Ils ont trompé vigilance la police côté, ils ont même rivé saisi plusieurs bonbons gaz lacrymogène et gaz lacrymogène ça y est qu'on y a là, ils ont non et vu là et gardez mon qui même considéré c'est une menace par rapport à élèves qui manquaient capacité pour capable gérer un tel produit. Eh ben ils ont saisi la machine la police. Eh ben pour l'instant l'inan main yo non ville Jacmel. Qui dit tout et dans ça qui a rapport avec santé. Gagné depuis hier dans aérodrome Jacmel là, gagné autorité et localio, gagné direction départementale sanitaire Sud-Est qui recevra un groupe médecin et spécialiste qui c'est des chirurgiens avec cardiologues qui sont dans le pays de la France. Ils ont venu justement pour capable porter si pour yo à et monde qui gagne de 0 à 20 années et notre rabat d'hygiène pour capable faire et dépistage pour yo dans niveau ça qui gagne rapport avec cœur. Eh ben dans le cas de soutien ça et médecin français au côté, yo annoncé c'est gratuit y a fait li. Première journée a été fait li dans aérodrome Jacques Mellan, mais avec difficulté électricité, jodi a yo a bien pour rendre yo dans l'hôpital Saint-Michel Jacques Mellan pour porter soutien à timoun et jeunes qui sorti de 0 à 20 années pour ba yo soins santé, mais plus spécialement dans ça qui gen rapport à timoun qui gen problème cœur. Mais c'est Jimmy Jean-Louis lui-même c'est ambassadeur itinérant activité ça dans le pays d'Haïti. Eh ben au fait qu'on est il y a bien pour aller dans l'autre département autour pour aller porter soutien dans ça qui a rapport avec Simon et jeune qui gagne 0 à 20 années dans ça qui a rapport avec voilà l'information pour matin dans ville Jacmel. Merci en pile Élie Lavayus ce soir c'est Jacmel. On peut aller Saint-Marc avec France Augustin. France Augustin, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour bon, merci Christian dans le terrain dans ville Saint-Marc. Et action bandit yo fait par répétition. Samedi 6 mai, il était environ 1h15 et dans après-midi, bandit armé attaqué entreprise Nordo qui était gain la donne l'école professionnelle à bureau transfert Western Union. Lundi 8 mai, pendant la nuit, bandit armé kidnappé un jeune garçon dans zone Florenceau et réclamé $30,000 américains en échange d'après sa famille rapportée. À 19 mai, bandit toujours pas chômé, il était environ 5h après-midi, ils ont attaqué un mini-market, toujours dans la zone Florenceau. La police est impuissante devant action bandit à cause de moyens, ils n'ont pas gagné. Le commissaire principal, commissaire Saint-Maclan, Jean Jora Sidney, conscient de ça. Cependant, pour une réponse à toute critique, population Saint-Maclan, qui a plein de problèmes de sécurité, hein, dans un tribunal, comme instant Saint-Maclan, Noyé Pierre-Louis, Massillon, initiant aucune rencontre, et mardi 9 mai, en toute chaîne pénale, la police, magistrat, acte de ville, sous problème d'insécurité. L'idée, c'est étudier ensemble un plan de sécurité pour y aller combattre l'action bandit. Et pour le plan de sécurité, ça arrive efficace dans un tribunal. Nous, Pierre Louis Massillon, souhaité la population, c'est ma croise, collaborer avec la police et la justice. C'est presque même discours, bon côté magistrat Villan Nicolas Dovilus. Et bon côté PAL, direction départementale, la police lundi, il pourrait prendre toutes mesures pour accompagner le commissaire Saint-Marc dans le combat action bandit. Chef police département, dit qu'il compte toute pratique, mon cap circuler à machine, sans plaque dans la ville là, et il y a l'autre formelle pour défendre ça, pour combattre ça. Augustin Saint-Marc, Caraïbe FM. Merci en pile, France. Augustin n'a pas toujours été dans le département l'Artibonite-Lan avec Eric Julien. N'a pas fait contact Eric Julien, correspondant permanent nous, dans Gonaïve, à Cli, dans Pral. Et puis tout de suite après, n'a pas gagné pour nous aller au Cap Haïtien avec Curtis Emma pour nous connaître comment
situation yé nan ville Cap-Haïtien ou bien dans département Nord-Lan après nous sorti Gonaïve ou toujours branché Caraïbes FM m'a suivre journal créole première occasion n'a fait vireron à travers ville province nou yo avec correspondant nou yo nous déjà sorti Jacmel Jérémy Saint-Marc Tigouave Koulia n'a prend direction Gonaïve ak Cap-Haïtien côté n'a la retrouver Eric Julien à Curtis Sema pour capable à connaître et ben comment ville ça yo même yo réveillé qui ça qui gagnait comme information pour sous département ça yo mais jusqu'à présent nous pas arrivé établir contact avec Curtis Emma et Eric Julien mais entre-temps n'a pas rappelé tout à l'heure n'a pas gagné pour nous parler avec sénateur Jupi Chérubin qui lui-même c'est président commission éducation au niveau Sénat République là puisque nous connaît depuis quelques jours là gagné grève syndicat enseignant yo tant mais dans l'école publique yo dans lycée avec dans l'école nationale yo ça qui fait gagné mouvement protestation manifestation élève yo dans la rue hier d'ailleurs t'es gagné escombrite dans lycée Fritz Pierre Louis côté gagné élève qui yo même t'a manifesté pour capable réclamer professeur dans salle classe yo nous rivé joindre Curtis Sema bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour tout auditeur Caraïbes FM. Eh bien, Guerrier Gou Lavé, qui est pas tombé dans le département Nord-Pays avant un week-end qui s'est passé, déjà à cause de plusieurs dégâts d'après. Il y a un bilan partiel, coordonnateur technique protection civile, département Nord, j'en répète lui-même l'hiver, côté gain 400 familles qui sinistrées dans la commune Grande Rivière du Nord, la Cule du Nord, Plaine du Nord, ensemble avec Milo, dans la commune La Victoire d'un Ferriette en 600 l'année qui perdit la ville d'après coordonnateur technique protection civile Nord. Jean-Henri Petit. Dans la commune Cap-Haïtien, il y a plusieurs familles qui ont été obligées de déplacer à cause de l'eau qui était montée dans le quartier Silayo. Nous invitons au côté, il y a un bout de temps dans la déclaration coordonnateur technique en protection civile département Noir, Jean-Henri Petit. Depuis semaine dernière, il y a un peu de département Noir. Il y a plusieurs familles qui ont été détenues. Il y a une résignation partielle. Il y a une capacité de l'accueil du Nord. Mais pour le jour, nous avons fini de trouver dans le Cap-Haïtien qui est un pile bleu à travers plusieurs rues dans le commune. Il y a pour cette qualité en tant que plus que le rassemblement. Il y a tout au niveau du milieu, c'est que j'ai un deuxième avec troisième section communale là, dans plusieurs maisons, pour se mettre entre dans le soir pour maintenir le rassemblement de l'histoire. Mais nous avons dit que ce qui puisse toucher à partir de hier soir pour le réseau de l'histoire, c'est une grande nouvelle du Nord, côté que, parce que toute cette ville-là, donc, dans plusieurs cailles, mais même quand jeune dans toutes les tissages, peut-être que de plusieurs cailles entraînant eux, et même dans la maison de notre travail de cage, oui, j'ai à tout, même là, il y a un coup, et à cause de lui, un coup, à ce que le cri a mangé ou pas, selon l'information qui a été recevée de la part de Maïs Carrional, ensemble avec le respect de la protection civile, notre commune. Si nous prenons le rivière du Nord, si nous prenons l'île, avec certaines rues, au niveau de la commune d'Apaïs. Voilà, vous avez à côté, déclaration, coordonnateur technique à protection civile, département Nord, Jean-Henri Petit, qui a fait un bilan sur quantité de gars qui est déjà enregistré dans le département Nord PIA, suite à Golapi, qui a tombé pendant le week-end, qui s'est passé là. L'autre nouvelle, malgré chef à l'État haïtien, Jovenel Moïse, qui était fini lancé jeudi 13 avril, qui s'est passé là, centre réception, sans avec livraison, document identité dans le département Nord PIA, eh bien, s'entend si là, lui-même, qui a marché très mal, d'après diverses citoyens qui allaient chercher ou bien à déposer passeport dans le sentence là. Côté citoyens qui viennent déposer à recevoir passeport eux-mêmes, ils ont critiqué les services eux-mêmes à recevoir dans le sentence. Contrairement à ça, président pays a lui-même, il était dit côté passeport eux-mêmes après coûter 1600 gourdes. Eh bien, lorsque vous arrivez dans le sentence là, pour finir acheter un blanc pour 1600 gourdes, ou obligé qu'on 170 dollars ou du moins 850 gourdes pour que vous capable de bailler à agent, à inspecteur immigration avant de recevoir pièce sur la main. Contrairement à ça, le président lui-même il était également passeport là a va durer 7 jours et bien responsable immigration au cap c'est un mois pas il y a capable bail passeport là et il a dénoncé également le fait que par un directeur qui remplacé Joseph Chancholo lui-même qui directeur général au niveau immigration journée et je
jodi a, et yo citoyen si la yo également même yo critiqué Jean de service la yo plutôt côté déclaration kek nan yo. Je suis en ligne depuis matin. Je suis chercher un passeport. Je suis couché depuis 23 juin. C'est l'année passée. Donc, je suis venu pour me recevoir un passeport. À chaque heure, je suis venu. Chaque jour, je suis venu. Je me rejoins. Et surtout, avec le président qui est venu, il était dit dans 7 jours, il y aura un passeport. Et ça fait que chaque jour, depuis le passage président, jusqu'à aujourd'hui, moi, toujours en ligne, je n'ai pas jamais eu un service. Donc, chaque l'homme privé n'a pas de service. Je prends plus le monde pour être frustré de service ça. Donc, il faut que nous mettions un dirigeant pour que nous jouions un service sur plus bref délai. Qui dans les présidents de Vinita Gade Bagayou, nous avons déposé un passeport, et nous avons même si c'est qui était ça tout, les gardes moi c'est Riban Bel Café dans le bureau, les gens viennent comme ça, moi, qui ne sont pas de signal, malin dans le rivet, moi c'est le même problème toujours, et les gardes ça, moi c'est comme si c'est boîte là, pas de 15 dirigeants là-dedans, et monsieur Riban Bel Café, boîte là, laissez pour lui même seul, depuis après, départ, c'est DTA, toute bagarre c'est irrégularité totale, passeport pas respecté pour une journée, moi-même ma poufé dans l'île. Voilà, c'est comme ça, citoyen en ville, qu'a ici eux-mêmes, y a dénoncé mauvais fonctionnement, centre réception avec livraison de documents d'identité. Le président Jovenel Moïse, lui-même, était ouvert jeudi 13 avril, qui s'est passé là, dans la deuxième ville, pays. Curtis Emma, André Ville, qu'a ici, pour Caraïbes FM. Merci beaucoup, Curtis Emma, sorti qu'a ici, après en direction Gonaïve, avec Eric Julien. Eric Julien, bonjour. Comment Gonaïve levé? Bonjour guerrier, bonjour auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Eh bien, c'est dossier qui concerne visite directrice, coordonnatrice programme national cantine scolaire là, Madame Fanaise R. Laguerre, hier dans l'objectif pour le cas voler au secours différents établissements scolaires dans le département, dans sa qui gagne à la cantine pour l'école du mois septembre cabine là. Eh bien, nouvelle coordonnatrice programme national cantine scolaire là, l'IT Chita Palé à personnel PNCSO. Dans ville Gonaïve, dans quatre visites, mais dans quatrième ville pays, après-midi, mardi 9 mai 2017. Le programme ça, qui gagne quelques années depuis le campé, il va redémarrer, mois septembre, Cabdena, si nous le croyons, Madame Laguerre, qui, nous volonté chef d'État, qui visait à améliorer les conditions chaque haïtien, surtout dans l'aile choisie, mettez sous pied, un vrai changement dans le département de la Tibonite. Madame, coordonnatrice PNCS, dans le bail, bon, j'en garantis que gagne 41 l'école, qui pourra le bénéficier pour Gamta dans le département de la Tibonite. Il te fait, ils ont cité à parler tout avec, quelques autorités, quelques responsables dans le bureau de discussion scolaire dans la Tibonite avec le responsable dans le bureau départemental éducation dans la Tibonite qui eux-mêmes pourra le remettre campé là, ça veut le programme national cantine scolaire dans le département de la Tibonite, Nabrapo, qui campé depuis plusieurs années. Et, madame, Fanaise R. Laguerre, lui fait qu'on est, et dans quatre applications, programme chef d'État gagné pour capable de mettre manger dans l'assiette tout le monde, et bien le programme ça vient de démarrer dans le quatrième ville pays, notamment, et puis particulièrement, et généralement dans le département de la Tibonite. Éducation toujours, et il y a plusieurs dizaines de professeurs et directeurs de l'école qui sont dans 15 communes du département de la Tibonite hier mardi 9 mai 2017. Ils ont même été plantés piquettes au bien bonheur devant bureau départemental ministère éducation dans la Tibonite. Je sais, ils ont dénoncé mauvaise foi autorité dans l'NFP et dit qu'ils refusaient d'intégrer ou bien nommer tout personnel dans l'école Ponekio et puis payer 3 ans comme salaire travail. Association l'école Ponekio dans la Tibonite qui était armée de tout élément pour être capable de faire passer revendication yo ta cour roche pour frapper dans portail bureau départemental la Tibonite nan et gagne revendication à travers pancarte mon cap constaté yo t'a créé en pile animation devant bureau départemental là hier une façon pour capable yon lancer yon cri d'alarme by autorité yo directeur l'école Pronek yo promet pour boycotter et examen officiel 9e année aussi éventuellement l'état haïtien pas sorti satisfait dans série revendication yo gagne en suivant l'ambiance qui était gagnée devant le bureau départemental éducation hier, mardi 9 mai 2017. La main du gouvernement Moïse à Fontan. Pour le problème, ils sont adhérés aux affaires d'éducation parce que nous, ouais, nous avons des éducations par rapport. Nous-mêmes, nous avons des écoles qui sont associations des écoles pour les classes disponibles. Nous avons des écoles qui sont tout à passer parce que nous avons des écoles pour nous, nous avons des écoles avec le système d'éducation. La première éducation, c'est la responsabilité. Nous avons un rapport avec la création de l'éducation dans le pays d'Haïti. Nous avons
retirer nous dans cadre d'école nationale. Au moment de nous devons participer dans toute rencontre d'école nationale à faire. Mais dans le moment qu'on est là, nous avons une rencontre d'école nationale, nous avons dit l'école pour être malade. Nous-mêmes, dans le niveau à l'école, nous disons où ça va passer, nous faisons tout ça possible. Nous faisons tout ça possible pour nous permettre que la présence nous toujours existe, j'en ai avant. Nous demandons pour l'État payer nos 3 ans, nous gagnons depuis notre travail que nous avons fait au bout de là. Nous demandons pour l'État nommer tout personnel dans l'école. Si ça nous demande de pas respecter, nous ne pouvons pas une satisfaction pour cette semaine-là, examen 4e année à pas vivre. Si on va payer personnel, si on va mettre ça, parce que l'examen c'est d'aller dans la Tibonite. Après, vous avez dit nos corps, comme nous, on est comme des pieds, et les vrais, nous même sommes des pieds, nous sommes même professeurs, parce que pour t'acquiser, tout le monde est écrasé en pays, vous avez dit en fait, vous avez dit les examens, et vous créez l'éducation. Voilà. Et c'est professeur de l'école Connecticut en ville Gonaïve qui, plus loin, dénonçait directeur départemental d'éducation dans la Tibonite, professeur Renoir École. Il dit qu'il a fait visible dans un moment, il vient déposer plainte de revendication devant le bureau départemental d'éducation. Donc, professeur Sayo, il allé très amené à compte directeur départemental là. Qui par exemple prend revendication en compte. N'a pas parlé tout petit dans ça qui vient annonce qui fait sous possibilité pour le gouvernement lui-même l'État augmenter le prix gaz dans son marché qui déjà suscité diverses réactions dans 4e ville pays côté en pile citoyen lancé cri d'alarme par autorité autorité pour qui prévenu en retombée négative sur sa cap bien sur masse défavorisée responsable en après Rassemblement national pour épanouissement progrès d'Haïti en organisation sociale dans la ville de Gonaïve qui souhaitait bien et en considération qui prend en compte pour éviter population de plus tomber dans la misère d'après vice-président Ranef Jean Cabral Pierre-Saint qui suggère l'État comprendre nécessité à conséquence augmentation prix gaz grand-plan gagné non seulement sous chauffeur et passagers mais tout de façon générale qui capable de gros conséquences sur tout le monde dans la population. Voilà pour information dans la ville de Gonaïve. Mais merci un peu, Eric. Julien, c'est là tout. Nous mettons un bout de l'environ. On a fait dans la ville provinciale avec correspondant. Nous avons fait contact avec le sénateur depuis Chérubin à Clean après comme actualité. Mais précisément, ce mouvement grève qui gagnait dans le lycée ou bien dans l'école publique. Avant nous, sénateur là, on fait parler rapidement avec Staff Potomitan, qui c'est une sorte d'association d'infirmières. Dans l'occasion, Journée internationale infirmière qui gagnait yon activité et yon privé organisé. Infirmière Taïna Vilsin, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bobse, bonjour Météor Nonou, bonjour tout auditeur Radio-Télévision Caraïbe, bonjour Haïti. Et matin, c'est un plaisir pour nous passer dans Grand Boulevard, pour nous venir annoncer que vendredi là, et après demain, c'est à l'occasion Journée internationale infirmière. Donc c'est fait tout infirmière sous la terre. Mais en Haïti, nous voyons que l'État n'a pas journée ça valait. Donc nous-mêmes dans nous formons staff pour nous faire une grande activité dans l'occasion et grandiosement nous inviter tout le peuple haïtien, nous inviter autorité spécialement gouvernement et Jovenel Moïse et madame Li qui nous remarquer qui sont groupe automitant qui fait des bons travail, nous inviter eux venir assister nous et finir on va mettre talent et on va mettre talent faire tout Haïti faire tout le monde ouais que nous pas seulement consacrer vie nous pour nous bailler soin comme bon samaritain. Donc nous mettons jour ça, nous voulons que l'État entre dans l'agenda pour chaque année, pour nous avoir des préludes qui pour annoncer jour ça et pour nous fêter grandiosement, pour nous célébrer, honorer des infirmières qui travaillent très longtemps dans le domaine, pour nous avoir un encouragement que vous méritez. Donc l'objectif nous c'est pour célébrer journée ça grandiosement, j'en ai dit là, et honorer des infirmières, et quasi 12 infirmières, parce que c'est 12 mai, nous voulons honorer 12 infirmières chaque année. Et ensuite, nous voulons tout que le peuple haïtien reconnaître jour ça comme un gros jour dans l'année
Et nous rencontrons un peu de difficultés. Et guerrier, depuis l'année dernière, nous lançons l'activité A. Malheureusement, moi, je travaille dans un hôpital public. Grève l'en fait que l'IPAT réussit. Malgré que nous t'ai déposé des lettres de sponsor, nous allons dans presque tous les médias pour nous faire passer à nos bon, l'IPAT arrive réussi. Mais nous pas découragés. Année ça, nous le relancer encore. Donc, journée presque arrivée. Donc, nous avons un budget qui a 160 000 gourdes. Jusqu'à présent, nous avons à 20% dans l'activité A. Donc, nous pensons que des bons samaritains qui, au point de vue socio-économique, parce que tout le monde connaît que santé, selon OMS, est défini comme un état de bien-être physique, mental et social. Donc, infirmiers en Haïti, socio-économiquement, nous malades. Donc, on a demandé à des bons samaritains, même j'en avais nous qui c'est des bons samaritains qui ont besoin de soins, nous besoin des bons samaritains qui a aidé au point de vue. Comment vous avez contacté nous? Économique pour t'aider nous pour activité ça réussir parce que nous avons lancé, nous pas fait bail. Donc, contact nous c'est 37 38 34 03. 33 90 51 80 37 06 09 010 n'a bien pile artiste invité tout et dans l'occasion nous t'ai metté prière au prix de 500 gouttes bon infirmière qui travaille dans l'hôpital public pas jamais touché ne pas qu'à venir parce que prière à trop pour yo c'est pas tant rien du tout pas besoin du pour étudiant que nous invité qui pire donc n'a demandé pour autorité au prendre nous en main ba juste ça importance et sponsoriser nous encadrer nous pour nous travailler pidjam et parce que nous même nous les infirmières qui sont en Haïti nous pas voulu quitter le pays à venir à Chili, donc nous avons besoin d'encadrement que nous méritons. D'accord. Donc, l'activité oui. Salle, tu as de fait dans rendez-vous 33, Delma 33. Oui. Et donc, à côté palais de là, c'est 12 mai 2017. 12 mai. Et on se rappelle le numéro là, 37 38 34 03 33 90 51 80 pour le monde qui t'a voulu ban bourade pour organiser l'activité ça. Merci en pile, Taïna, à Vils. Merci beaucoup, Gary. Bonne journée. Rapidement, bonne fête, palais avec Elbo Carlens, qui est même c'est lauréat concours international poésie en langue française des mots pour notre terre donc lit ensemble avec nous là rapidement et qui gagne difficulté pour que le talo se voit pris ça qui a fait qui côté en tout cas bon parle avec vous rapidement le temps pour un sénateur là bonjour bonjour guerrier bonjour Bobsé bonjour metteur en onde bonjour Caraïbes bonjour Haïti en fait moi-même participer dans un concours ça qui c'est un concours international de texte de littérature côté que j'ai chance sorti lauréat là-dedans et puis après gain quatre autres pays qui sorti après donc yo invité nous pour nous rentrer à Paris pour un événement qui a gagné qui c'est grand artiste du monde dans remise des prix et jusqu'à présent m'est capable dire que pas gain moyen pour que et me réaliser voyage ça bien que gain quelques instances qui déjà répondent à l'appel à savoir c'est quoi ça même pas vraiment bénéficier de support de l'État haïtien pour accompagner me soi-disant pour visa et autres qui c'est hébergement. Ça dit pourquoi gagne visa? Non. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a activité à faire? Activité à faire le 20. 20 mai. Oui, 20 mai. Mais qui ça manque? Qui faut pas gagne visa parce que c'est et c'est hébergement, c'est-à-dire certificat pour hébergement côté que m'a privé 19 parce que réservation déjà fin faite et que m'a déplacé 21. Et c'est une pièce que on mandé dans ambassade là. Okay. Mais jusqu'à présent pas encore bénéficier de lit, de moyens pour hébergement. Combien ça a coûté comme ça? Bon, ça a coûté environ 3000 dollars haïtiens. Un 3000 dollars ici. Non, OK, c'est 3000 dollars ici pour oui, ou quoi ça? Environ. Ah bon? À savoir sous 5e concours international que j'ai une chance de participer là-dedans et que année dernière, mois décembre, j'étais participé dans un concours c'est Léopold Sédar Senghor un concours international et que j'étais capable de dire j'étais victime quand même de indifférence l'État haïtien. Parce que l'État n'a pas vraiment répondu à l'appel. Ok, donc on y a là, on passe là pour capable demander l'État ou bien l'autre monde, l'autorité, oui. Qui t'a voulu d'eau, qui t'a capable permettre qu'on joigne bois de l'an pour capable payer frais et joindre certificat pour capable aller derrière visa, puisqu'on a gagné billets d'avion déjà qui acheté. Oui. Ah bon. En tout cas, on quitte ton numéro pour le monde qui t'a voulu bon support. C'est 44. 15-18-07. Ok. 44-15-18-07 pour tout le monde qui t'a voulu baboude avec Jeune Sac, qui a fait un pile effort, qui c'est lauréat concours international pour Zissa.